faire un décompte jusqu'à 3, je vais faire montrer mon visage. Donc c'est parti. 1, 2, 3. Allez. Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et vous êtes en forme. Aujourd'hui, nouvelle vidéo news et aujourd'hui je veux vous parler d'un animé qui a bercé beaucoup d'enfance vers la plupart des personnes. Et aussi, c'est un animé que c'est le tout premier œuvre du mangaka Tsukasa Ojo. Aujourd'hui, je vais vous parler du grand retour de l'animé. Donc, il s'appelle Cat Size. Donc, voilà. Donc, je pense que vous l'avez vu hein, de l'intro de cette vidéo. Mais voilà. Donc, voilà le grand retour de Cat Size. Et puis, c'est parti pour la vidéo. Donc les amis, avant de commencer la vidéo, je veux vous parler vers trois grandes choses. C'est quoi les trois grandes choses? C'est tout simplement me suivre sur les réseaux sociaux, donc Twitch et TikTok. Twitch c'est Fleurix TV. Donc sur cette chaîne Twitch, bah voilà, je stream je fais des petites réactions d'anime et manga. Et aussi, je stream sur un jeu, il s'appelle Dragon Ball Z Dokkan Battle, un jeu mobile. Donc si vous aimez bien, bah, suivez-moi sur ma chaîne Twitch. Donc c'est Fleurix TV, donc c'est tout dans la description. Et aussi, suivez-moi aussi sur TikTok, donc c'est Onizuka Sensei. Donc franchement, suivez-moi en balle. Si vous aimez bien tout ce qui est univers manga, animé, suivez-moi sur Twitch et TikTok. Donc voilà. Aussi les amis, il y a aussi la troisième chose importante à vous dire. Je sais que c'est pas un exploit, je sais il y aura des personnes qui va s'en battre les couilles. Je le confirme parce que l'important c'est le contenu, c'est vrai. Mais pour moi c'est un truc qui me tient à cœur. Et pour comme ça, bah voilà, c'est on va dire carte sur planche, c'est les points sur les T ou points sur les I, bref, voilà. Bref, je ne sais pas c'est quoi l'expression. Donc, les amis, je vous ai dit 2 ans par avant, vers les plus anciens, il va se reconnaître par rapport à ce débat que j'avais parlé 2 ans par avant. Il y a des personnes qui m'ont proposé, c'est quand tu vas faire montrer ton visage, c'est quand ceci, cela, c'est quand tu vas acheter une caméra pour faire montrer ton visage. Moi, j'ai dit plus tard, plus tard, plus tard. Et un jour, j'avais les yeux plus gros que le ventre. J'avais dit, en 100 000 abonnés, je vais faire montrer mon visage. Malheureusement, comme je vous ai dit, j'avais les yeux plus gros que le ventre. Donc, j'avais annulé ça. Et après, il n'y a plus eu de débat par rapport à ça. Parce que, voilà, bah, mes abonnés s'en battent les couilles un peu. Et même moi aussi, parce que j'avais... j'avais oublié. Et aujourd'hui... On va dire c'est un grand jour. Aujourd'hui, je vais faire montrer mon visage. Je sais, comme je l'ai dit, c'est pas un exploit. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font montrer leur visage. Et puis voilà. Donc, à 3. Donc, je vais faire un décompte. Jusqu'à 3, je vais faire montrer mon visage. Donc, voilà. Donc, c'est parti. 1, 2, 3. Allez, c'est parti. Et voilà. Donc voilà, vous voyez ma sale face de rat. Voilà, je sais, je me fais traiter auto-moi. Donc voilà, ça fait extrêmement plaisir, ça fait extrêmement bizarre et ça fait extrêmement... je suis un petit peu mal à l'aise parce que c'est vrai que ça fait... c'est quand même assez bizarre que vous voyez et ça fait extrêmement bizarre de vous parler devant une caméra que vous me voyez. Mais voilà, donc comme je vous ai dit, comme chose première, chose faite, voilà, comme je l'ai dit, les choses sérieuses qui vont commencer, je vais faire du contenu assez sale, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, donc c'est un truc entre vous et moi, et puis voilà. Donc enfin bref, on va parler du sujet par rapport à cette nouvelle news, par rapport au retour de Cat Size. Donc il y a tout ça à lire. Donc voilà, il y a tout ça à lire. Donc les amis, au cas où, je tiens à vous prévenir, si je bégaye un peu, me disais pas, ouais, il bégaye, etc. Et si cela, voilà, c'est la première fois, il y a une caméra, il est pointé sur ma face de rat. Donc, soyez un peu indulgent, un peu, un tout petit peu. Donc les amis, donc c'est parti.
Donc, les amis, donc je vais vous lire tout en haut. Donc, c'est parti. Cat's Eyes est la série culte des années 1980, va être adaptée par TF1, ce qu'il faut savoir. Donc voilà, il va vous dire tous les débats, tous les sujets par rapport à cette nouvelle news. Le manga japonais qui met en scène trois sœurs voleuses va être adapté par TF1 et Prime Video. Casting, format, donc synopsis de tournage, voici ce que l'on sait. Donc voilà, ils vont expliquer par rapport au tournage, c'est qui va être l'œuvre, etc. Donc voilà, ils disent, on va dire ce film, parce que oui, c'est un film qui va être adapté. Ce film, il va être adapté par TF1 et Prime Video. Donc voilà, c'est plutôt génial, plutôt banger si vous voulez. Donc voilà, la petite aperçu du film Cat's Eyes. Donc vers la jolie Tour Eiffel de Paris, donc c'est plutôt joli. Donc après 40 ans après leur première diffusion en France, Alexia, Tab et Sylvia sont de retour sur votre petit écran. Donc c'est vrai que putain 40 ans, c'est pas quand même petit, hein, c'est quand même beaucoup, hein. Mine de rien, c'est quand même assez énorme. Vous l'aurez compris, le dessin animé des années 1980, Cat's Eyes, il revient. Et donc, extrait l'animation TF1 annoncée dans la voilà, communauté qu'elle adoptera l'opus de la série Action en prise de vue réelle. Donc, serveuse, le jour des voleuses, la nuit, les héroïnes issues du manga de Tsukasa Ojo vont revivre sous la plume de la lune de Prime Video. Donc voilà, il explique que voilà, il explique l'histoire de cette magnifique animé, cette œuvre qui explique voilà 1980 où il y a tout commencé par rapport à l'animé et voilà. Donc une équipe, donc il va parler de l'équipe de TF1, on va dire c'est qui. Il va faire les rôles par rapport à Tam, Sylvia, etc. Donc pour incarner les trois personnages principaux, la chaîne mise sur des visages bien connus de tes téléviseurs. Donc Camille Lou, le bazar de la charité, les combattantes, donc Constance Lablé, donc Balzara et Claire Romain. Ici, tout commence. Donc, je connais pas ces personnes. Si vous connaissez, dites-moi dans les commentaires. Franchement, ça me fait super plaisir. Et puis voilà. Donc à la réalisation, pardon, j'ai pas parlé. À la réalisation, un homme à l'origine de plusieurs succès de la une, Alexandre Laurent, qui a réalisé Les Combattantes, le bazar de la charité. Que si vous connaissez, dites-moi encore dans les commentaires et en charge. Donc, de quoi ça parle? Après des années de séparation, donc ils vont parler par rapport au film, l'histoire un peu. Donc après des années de séparation, les trois sœurs se retrouvant à Paris au même moment, une œuvre ayant appartenu à leur père a disparu mystérieusement 10 ans plus tôt. Et reparent lorsque d'une exposition à la Tour Eiffel. Donc voilà, donc il explique que les sœurs elles étaient séparées et là se retrouvaient après plusieurs années et là elles s'est rendu compte que leur père leur œuvre par rapport à une œuvre de leur père ils sont disparus, je pense qu'il faut le retrouver etc. Donc voilà. Donc une autre un tigre. Un tigre se déroule une parallèle avec Quentin Chapuis, ah, le fameux Quentin Chapuis, un jeune inspecteur à leur trousse. Problème, il ne se rend pas compte que Tam, son grand amour de toujours, est la voleuse qu'il recherche. Ah ouais, c'est vrai, parce que je sais pas si vous vous rappelez par rapport à l'animé ou le manga, vous savez, ces trois voleuses qui volent des tableaux, de l'art par rapport, voilà, vers des musées. Et vous savez que Tab, c'est le petit ami de Quentin Chapuis, que c'est un policier, un détective, et que son copain Quentin essaye de coincer ces mystérieuses
voleuse parce qu'ils savent que bah, c'est une fille, etc. Donc excusez-moi, la caméra elle a un tout petit peu bougé. Donc dans la version originale, Sylvia, Tam et Alexia envoient toujours une carte signée Cathead avant d'annoncer leur prochain vol. Il faudra patienter pour voir si les événements concernent dans la version de TF1. Ok. Ok. Une touche de modernité sans renier les années 1980. Donc, si la drame du manga est conservée, les producteurs prenant quelques libertés, l'intégrité prend la place en 2023. Je sais pas pourquoi je voulais dire en 2003. En priori on est bien loin de l'univers des 1980 qui font de leur charme de Cat Size et se sont comptés sur leur promesse à la une qui entend préserver l'anthosphère de l'époque. Ouais, en gros, il va avoir, en fait, il va avoir des trucs d'origine de 1980. Donc, si vous voulez, des trucs qui vont être de retour avec la carte de Cat Size, etc. Mais il va y avoir des nouvelles choses, etc. Bah, je trouve c'est cool de renouveler, avoir des nouveaux trucs. Je trouve c'est plutôt banger et voilà. Donc c'est très ancré dans notre époque. La série ne se privera toutefois pas d'offrir de nombreux clins d'œil aux années 1980. Il serait un mélange détonnant d'action, de romance, comédie. Donc TF1, donc comédie de la presse, à plat. Donc Prime Video, format tournage que l'on sait. Donc voilà, c'est Prime Video. Donc voilà. Donc cet accord illustre les partenariats vertueux qui pouvaient exister entre les différenceurs nationaux de la plateforme à Materlé, Ara Abrikayan, donc excusez-moi, directeur de le programme du groupe TF1, voilà, c'est le programme du groupe. Donc où voir la série d'aujourd'hui, donc où voir la série d'aujourd'hui par rapport à l'anime Cat Side, si les personnes qui veulent revoir Cat Side, etc. Voilà, ils expliquent par rapport à TF1, allez voir TF1. Là, ils expliquent l'histoire. Donc j'ai envie de dire, on s'en bat les couilles. Donc voilà. À l'origine de la série animation, il comporte 73 épisodes et 24 minutes étalés sur des saisons que le télévisateur n'entendant pas passer autant de temps devant leur télé. On connaît d'ordre déjà la format que va prendre l'adaptation. 8 à épisode de 52 minutes ont été annoncés par les producteurs. Leur tournage a lieu à l'automne 2023. Donc voilà, c'est la date qu'ils vont tourner. À la chaîne ne dit pas plus pour le moment. Donc voilà, après l'actualité, il se termine ainsi. Donc, si on sait par rapport à cette actualité, le retour de Cat Size, donc faut pas oublier, c'est un nouveau film. Voilà, le retour de Cat Size, donc vers ces trois voleuses. Aussi, ça c'est comme je l'ai dit, cool comme j'avais dit. Il va y avoir aussi le retour par rapport à les techniques anciennes, par rapport à la carte, par rapport, voilà, tous les trucs à l'ancienne, les patins, là, je sais pas si vous voyez, mais genre les rollers, voilà, parce que vers le tout premier épisode de Cat Size, je sais pas si vous vous rappelez, quand ils volaient dans un musée, quand ils étaient partis du musée, ils avaient des genres de patins, des trucs comme ça. Donc ça peut être plutôt bien, plutôt banger s'il remet ça. Et puis voilà. Et bien sûr, vous allez dire quelle date ça va sortir. Ils ont dit mi-automne 2023. Moi, je dis tout simplement, j'ai vu des sources qu'ils ont dit que c'est en 2024 qu'il va sortir. Et encore, on ne sait pas exactement. Donc voilà, mais ça fait plaisir que
y a deux retours 4 size, il revient sur la course et qu'il va un nouveau film adaptation par rapport à cette série, parce qu'on croyait que c'était fini, parce que c'est vrai que Nicky Larson, donc si vous voulez pour le plus intime, Ryu Saba ou City Hunter, c'est vrai qu'on n'avait plus entendu pendant plusieurs années, et là tout à coup il y aura un nouveau film, il y aura un nouveau film coréen, il y aura... Et après, il y a aussi apparemment un nouveau film. Aussi, autre chose. Mais je vais pas vous dire. Peut-être c'est vers une prochaine vidéo. Et puis voilà. Moi, j'avais tout ça à dire. Voilà. Voilà, les amis. J'espère que cette vidéo, ça vous a plu. Si c'est le cas, lâchez des pouces bleus. Abonnez-vous. Et surtout, commentez sur cette vidéo. Vous dire qu'est-ce que vous avez pensé sur cette vidéo. Et me dire aussi vers la qualité de la caméra. Il vous plaise. Et que c'est pas trop dégueulasse. Voilà. Et nous, on va se retrouver très vite vers une prochaine vidéo. Allez, sur ce, c'était Nicky Larson et Fermanga. Allez, bye bye.